Oh, salut tout le monde. Je suis en train de faire mon montage vidéo là parce que les montages vidéo c'est un peu long hein, donc forcément les vidéos je les diffuse pas forcément au moment où je les fais. Donc là bah, dans la vidéo il fait un beau soleil. Là je suis chez moi, hein, on a eu une tempête là. Donc il y a pas mal de neige. Voilà. Donc il fait moins 15, ressenti moins 21. Et donc là, je te le disais, je suis en train de faire mon montage vidéo. Puis seulement là, je viens d'apercevoir que vous allez voir dans la vidéo, là, il y a un plus de 20 minutes de paysage. Mais c'est parce qu'il y a des moments, les paysages sont tellement beaux que j'arrive pas à me retenir de filmer, quoi. Donc ben, je la mets quand même, la vidéo. Puis vous me direz si c'est trop long, les paysages. Donc je mets en accéléré parce que justement, je veux pas que ce soit trop long pour vous. Mais vous avez toujours moyen de faire des pauses et tout ça, s'il y a des passages qui vous intéressent à voir, quoi. Donc, je vais vous laisser. Je vais continuer mon petit montage vidéo au chaud. Allez, ciao, à bientôt. Bon, bah, j'ai fini ma coupure, là. Donc, je vais redémarrer. Ça va, je vais pas faire une grosse journée. Aujourd'hui, il me reste 720 km à faire. Donc je compte arriver pas trop tard parce qu'il y a un truck stop à Las Vegas là. Je suis en train de mettre mes bracelets. Et puis il est assez petit donc j'imagine en arrivant début d'après-midi, je devrais trouver de la place. Donc là bah, pour moi il est 7h20 du matin. Ici il est 5h20. Mais je vais encore perdre une heure là quand je vais passer à l'Arizona. Donc j'ai 3 heures de décalage. J'espère trouver une place quand je vais arriver là-bas. Voilà. Donc là j'ai fini ma petite ronde de sécurité. J'ai fait une bonne coupure. Il fait moins un. Hier dans le Wyoming, j'ai vu un peu de neige là, sur les côtés de l'autoroute, là, mais il n'y avait absolument rien sur l'autoroute. Donc je vais mettre en route tranquillement direction bah, Las Vegas. Hier je me suis arrêté, il n'y avait que moi comme camion, là, je m'inquiétais un peu, j'espère que je ne vais pas être tout seul. Puis non, maintenant le parking est rempli de camions, j'étais pas tout seul. Donc voilà, c'est parti pour Las Vegas. À tout à l'heure. Thank you.
Bon, les amis, voilà. Moi, je suis arrivé chez mon client. Bon, je voulais m'arrêter dans un truck stop. Il est un peu plus loin, là, 7 km d'ici. Moi, je suis allé voir, mais ça se voit dans la vidéo déjà. Il n'y a pas de place. Donc, je suis venu me garer. Bah, il y a un autre truck stop. Là, il est vraiment à côté de chez mon client, quoi. Mais. Bah, il n'y a pas de place non plus, mais bon, j'ai quand même de la chance. Parce qu'en fait, il est juste là, là. Donc, je vais descendre un coup, là. En fait, c'est un grand boulevard, hein, c'est une grosse zone industrielle, là. C'est un grand boulevard, et puis, bah, en fait, je suis arrivé, mais je vois que ça se remplit derrière moi, là. Donc, voilà, je suis juste sur le trottoir d'en face du truck stop. Donc, je suis pas mal placé, quoi. Bon, je suis garé là. Et puis bon voilà. Bah, du coup je vais rester comme ça, manière. J'ai pas bien le choix. Je suis à côté de chez mon client là. Donc je vais rester là. En fait, mon client là un peu plus loin là vers le ce bâtiment là. Je tourne là, puis il est là derrière. Donc bah, bon, je vais rester là quoi. Et puis on ira faire ça demain. Alors j'ai rendez-vous à 10 h du matin. Là, ça fait 13 h pour moi parce qu'il y a un décalage de 3 h. Donc bon, en fait là on voit pas, mais tout droit là derrière, là, loin, 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 là, il y a. Bah, c'est Las Vegas quoi. Voilà. Donc maintenant, bah, on verra ça demain où je vais aller recharger. Là, j'ai une copine qui a vidé, elle a été rechargée vers Bakersfield. J'aimerais bien aller charger là aussi. Donc, on verra bien. J'ai un collègue, il m'a dit que lui a vidé là il n'y a pas longtemps et il a rechargé juste à côté dans la zone ici, là. Bah, moi, j'aimerais bien aller sur Bakersfield. On verra bien. Bon, bah, étant donné qu'il ne fait pas très sale, très froid, il pleut pas, rien, bah, il reste à peu près propre. Si ce n'est que les insectes là qui viennent s'éclater dessus quoi. Voilà, bon bah on reprend ça demain. Salut les amis, bye bye.